Bienvenue pour la partie de pêche annuelle, pêche à la truite sur le domaine La Clavarine, qui tire son nom du magnifique ruisseau qui alimente le domaine et notamment l'étang, avec une petite cascade. Et hop, voilà l'étang. De ce côté, c'est encore plus beau. Qu'est-ce que t'as vu? Il a fallu la canne à mouche. Alors à la mouche, là, ça aurait été super, hein, ça gobe. Ah, il y en a des grosses, là. Hein. On va voir. On va voir ça. Ça gobe, ça gobe. Allez, ça y est, on attaque. Plouf. Et je vais mettre donc. C'est ta canne. Ah, mais c'est ma canne. Et oui, mais. Ah, mais j'ai cru qu'elle partait, mais. C'est joli, hein. Ça bagarre, hein. Elles sont nerveuses, hein. C'est long, ouais, elle tire, hein. C'est là qu'elle se décroche. Les boules. Mais pourquoi tu veux qu'elle se décroche, papy? Tu feras attention, j'ai deux hameçons. Je vais bien l'attraper. Ah, elle l'a pris sur le deuxième. Voilà. Mais mon épuisette, elle est en plastique, donc ça. Les hameçons, ils s'accrochent pas bien normalement. Non, mais ouais, papy, check. Check, papy. Bon, la première, okay, c'est la plus dure. Regarde là-bas. Quoi? Ma ta canne, regarde. Non, c'est la tienne. Allez, vas-y, papy. Ah oui, oui, ça tient, ça part là-bas. Ça part. Nom de Dieu, tiens. Attends, je vais aller le filmer. T'en occupes, Ricou? Je le filme. T'as vu, en fond, hein? Ah ouais? Alors attends. Là, par contre, t'as fait des nœuds? Beaucoup de pétard. Alors? J'attrape l'épuisette. Une épuisette. Pour le papy. Elle est un peu courte. Elle est un peu courte, mais ça va. Au feeder. C'est pas mal au feeder. Ça va, ça tire. Ça tire bien. Ça tire quand même. Ah, oh, j'ai traîné mon épuisette. Ouais! Et tu vois, à fond, hein? Check! Alors, nous avons une truite arc-en-ciel au vert de terre? Non? Qu'est-ce qu'elle crache? Non, j'avais mis une teigne. Ah, mais elle rejette un vert de terre. Oh, dis donc, cette touche! Oh, Is! Oh, Is! Elle est belle, hein? Ah. Jolie truite. Tourne. Tiens, vas-y. Ah, oh, il y a une touche. Oh, une belle touche, oui. Attention au ferrage. On doit aller s'accrocher. C'est bon. Ouais. Oui. C'est un paquebot. Elle est belle celle-là. Elle a une tache blanche sur le. Non, c'est l'hameçon du bas qui s'arrête. Ah oui, d'accord.
T'as vu, dès qu'elle arrive dans l'épuisette, elle fait demi-tour. Et voilà. Et voilà. Bien joué, mon copain. Check. Voilà, c'était belle, trop. Voilà, très très belle. Impeccable. Parfait. Bien, yes. Mon top. Alors, Rémi vient d'arriver, il a lancé sa canne. Salut Rémi, ça va? Ça va. À quoi tu pêches? À la teigne. À la teigne? Et t'as déjà pris une truite? Tu peux pas la lever? Oh, Is! Oh, Is! Il paraît qu'elle a tout avalé. Ouais. Oh, dégorge, là. Bon, et ben bravo, félicitations. Une belle arc-en-ciel à la teigne. Sur ce magnifique étang. Alors, David, il est en face. Et il en a une grosse. Wouah! En général, quand il en a une grosse comme ça, il se fait baguer. Parce qu'il va vouloir la lever. Oh, bah si, il l'a eu. Oh, magnifique. Bon, il est en train de rattraper son retard, là. Il nous fait la pige. Il nous fait la pige. Ah, bah moi, j'ai un flotteur qui part, là-bas, encore. Ah, mais j'arrive pas à monter cette canne, là. Ça a lâché. Non? Ah, yeah. Je pense pas que ce soit une truite. Regarde comme elle est belle. Une perche à la teigne. Regarde comme c'est beau ça. Oh là là. Oh, puis alors, elle l'a pris au-dessus encore. Regarde. Attends, fais juste rentrer la perche. Hop, là. C'est beau ça. T'as pas mis deux hameçons? Là, si, j'avais deux hameçons, mais là, peut-être. Mais. Bah, il manque quelque chose. Eh ben, j'ai dû casser. Ou elle a pris les deux à la fois. Là, du coup, elle est belle. Une perche, ouais. Une jolie perche. Regarde aussi les perches. Ouais, bien sûr. Oh, pourquoi? T'as eu une touche? Qui? Eh ben, regarde. J'ai eu une touche aussi. Ben oui. Deux touches à la fois. Bon, elle est épuisette, il faut faire un coup, mettre les deux truites dedans. Non, parce que ça va tout embrouiller. Ah, non, elle était toute bien faite, ma monture. Attends. On a une. Ah, bah là, j'ai le temps, moi. Hein. Oh là 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 là. Mais comme elle était. Oh là là là. Oh là là, ma petite. Oh là là, mon pauvre. Attends. Donc attends, on va faire comme ça. Oh putain. Très gros. Pardon. Merci. Bravo. Oh, la pêche, c'est une chose. Ouais, mais, alors, mais après, il faut passer aux choses sérieuses. Oula, mais elles sont un peu maigres, non? Bah ouais. Elles font combien? Juste... 3 cm. Ah ben voilà. Là ça va bien. Avec les grilles, on va être bien. Ouais mais là tu vas voir. Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ah, on est bien installé. Oh là là.
Ah, ça c'est beau. J'ai 4 enfants. J'ai deux. Alors ce qu'il y a de bien, on peut mettre le vivier avec les poissons. Pour les garder bien au frais à l'arrivée d'eau. Donc là, les perches, on les garde. C'est bien organisé, hein. Trop bien, hein. C'est quoi qui arrive, là? Ça, c'est un petit pavé de bœuf, là. Un petit pavé de bœuf, avec une petite côte de bœuf. Là, la première, il l'a dégommé. Vous aimez pas le poisson, vous, hein? C'est génial. Voilà. Une belle tablée familiale. Après une bonne pêche. Elle est où ma côte de bœuf? Elle est là. Oh là là. C'est pas comme si on allait mourir de faim. Hein. Il est bien cuit là le petit pain. Oui. Tantôt, la dernière truite du soir. La petite dernière. Impeccable. Parfait, c'est ce qu'il fallait. Dis donc, elle est... Ah, eh ben non. Plus d'espoir. Ouais. Il a décroché. Bon, je vous dis bonne nuit, au revoir.